Et on va terminer avec Eramet, l'heure du sursaut pour la valeur du groupe minier et métallurgique qui a signé trois séances dans le vert, mais cela va-t-il durer? Grande question, ça. En tout cas, on a des éléments qui s'accumulent comme plein de petites briques. On n'a pas encore de signal, malheureusement. Alors, on a une belle phase d'impulsion démarrée en octobre, hein, aux alentours des 60, qui a permis d'aller chercher la résistance vers 110 euros. Hein. C'est une belle hausse qui a été ensuite consolidée. Elle est d'une certaine façon, en fait, digérée par le temps, l'amplitude étant relativement encore contenue hein, par le support majeur à 80,35. Support majeur, vous le voyez, testé déjà à trois reprises ces dernières semaines. Les sommets sont toujours descendants, mais les creux ne le sont plus, ce qui indique d'une certaine façon que les acheteurs reviennent progressivement à l'achat sur ce titre. Alors, on n'a pas encore de signal haussier, hein, puisque le signal haussier, ça sera lorsque l'on franchira au, à minima le dernier sommet descendant ici, 93,85. Mais pour le franchir, il faut déjà y aller, ce qui prend, ce qui ouvre déjà un petit potentiel de reprise vers ce niveau. Et avec cette accumulation de signes de force, la moyenne mobile de 100 jours en soutien, le support majeur qui tient, un mouvement aussi impulsif précédent, eh bien, on peut ensuite anticiper un retour à meilleure fortune dans les semaines et mois à venir. C'est la résistance suivante à 99,08 qui doit être visée. Après, plus tard, sur un horizon de temps plus long, si tous les signaux se confirment les uns après les autres, ça sera de nouveaux sommets au-delà des 110 euros hein, qu'il faudra anticiper.